Nous, c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information, nous pourrons chercher le poté le baou, Jean Lia. Marchandise Haïti, c'est la seule plateforme sociale YouTube qui va jamais nous voir monter sous personne. Nous pas 25, nous avons des vidéos. Prêtez-nous Géo Axor ou prêtez-nous chez moi, invitez 2-3 amis qui sont bien cagés sur le temps de l'année. Natal Goulet, film cap fait, film cap fait. Bonjour, bonsoir, tout le monde, ça dépend de l'heure ou pas regarder vidéo ça. Et pas oublier que vous sous Marchandise Haïti. Maman Pemba, jeudi a déjà, c'est mardi 17 décembre 2019. Donc, tout le monde connaît Claudie Gassan, maître Claudie Gassan, et que président Jovenel te mette dans tête unité de lutte contre la corruption. Bah, ça a quitté fait un pile tollé parce qu'il y a un pile moun, donc, qui était à partager de vidéos côté maître Claudie Gassan, c'est qu'on a plein pipe, président, c'est qu'on a dit son corrupteur, en pile gros causé. Eh bien, président, lui-même qui, selon moi-même, voulait montrer que lui-même son moun qui paraît droite. Même moun qui te qu'on a critiqué le deal dans la corruption, eh bien, l'idée mettait Maître Claudie Gassan dans tête unité de lutte contre la corruption. Il nomme le DG, bah, ça a fait un pile tollé. Eh bien, Maître Claudie Gassan, et monsieur qui te paraît, comme un monde qui vraiment, tenace dans ça l'a fait, eh bien, président, bon côté pas, il était jugé nécessaire. Donc, si un monde pas être honnête comme ça, l'a critiqué, la foncé des bagailles, selon Analyse BAM, l'y mettait dans tête ULCC. Eh bien, Maître Claudie Gassan, bon côté pas, donc, l'y pral vraiment expliquer pour qui ça le prend job là, il met Claudie Gassan, dans interview ça a lui-même qui fait qu'on est que le pas dans zamita à personne. Donc, l'y vini dans tête ULCC pour le combattre corruption, en tout cas, prends-tu chaise, ben non, parce que, quand pile parole qui pral parler là, monsieur, t'es nous garder toute vidéo. Avant tout, m'abjou, ou même qui a gardé, qui toujours garder vidéo sur channel là, pour qui poko abonné, ou mettre fait ça. Qu'on y a là, parce que, quand pile bagay qui pral vini, donc, abonné avec channel là, invitez moun abonné avec channel là, mes amis. Si nous ouais, tu retard par rapport avec vidéo, n'y a pas comprendre ça, m'te dit ça hier soir, mon problème internet qui a parlé là, qui coûte très cher, qui vraiment lent, qui est rapide, nous connaît technologie assez comme ça. Donc, n'a pas rangé ça, mes amis, tant pis, essayez de comprendre moi. Mais n'a pas rangé ça longtemps, qui pas trop long. En tout cas, bouik chargé, pas campé, n'a pas quitté avec Maître Claudie Gassan. Merci, madame, monsieur, de votre patience avec nous. Je rappelle, le DG de l'UNCC, l'unité de lutte contre la corruption, Maître Claudie Gassan. Des conseils qui vont enchaîner avec explication au maître. Oui, mais pas pour reproche. Ou pas de reproche. Non, mais moi, je vais dire. Parce que, il y a. Non, on ne pas faire reproche. On ne pas faire reproche. On ne pas faire reproche en public. Et quand on fait mon là, maître. Non, c'est pas blâmer mon public. Ça va faire mon honte. Ça va me gêner. Alors, question, question, c'est que Mounio estimait que. Il n'y a pas retrouvé non un gouvernement que ou t'as pas critiqué. Et qui s'est motivé, qui explication, qui s'est avancé comme prétexte pour justifier la décision là, pour une telle PLCC. Et peut-être deux mon explication, mais pas une justification en quelque sorte. Moi, explique-moi. Et nous avons que tout le monde garde. Nous sommes très critiques par rapport à l'état marché. Nous sommes très critiques tout par rapport à Jean politicien nous. Il a gardé l'État, il a fait l'État. Façon que il a rentré dans l'État. Et moi-même, comme un acteur qui toujours a observé ça, et qui parle de toute situation, parle de tout le monde, je vais dire, je et puis me décider de faire un sacrifice. Je sacrifie tout ça que le monde a donné comme valeur, tout ça que moi-même a procuré comme valeur, mettez-le comme orgueil, mettez tout ça que moi-même, que je suis capable d'utiliser à mon avantage, mettez-le pour payer, ou que moi-même, si je suis capable à l'intérieur, ça de l'extérieur que je parle, est-ce que si je suis capable de porter un changement. Nous faisons sacrifice, vous regardez toute critique, tout ça qui passe, bon faire. Après 3 mois que nous regardons, nous disons non, définitivement, nous avons des professionnels, par exemple, qui t'a vivent bien. Et puis qui retrouvent dans la rue, comme il y a pas de monde, etc. Et là, nous avons comme acteur, et nous-mêmes tout comme acteur, vous pouvez arriver obligé de dire, bon, écoutez, est-ce que nous ne pouvons pas faire l'autre bagaille? Est-ce que nous ne pas faire l'autre bagaille? Et l'autre bagaille, je veux dire, est-ce que nous ne pouvons pas oublier tête au moment? Est-ce que nous ne pouvons pas accepter tout ça qui est venu au profit de l'intérêt général? Et ça me mettait, c'est sacrifice ça que je fais, c'est pour la critique ça que je recevoir chaque jour, que j'ai besoin moi-même et que je voulais mettre au profit
de intérêt population au lieu que nous chita sur base d'orgueil, au lieu que chita dit écoutez, on ne pas critiquer, mais seulement que on ne garde et nous prenons note. Et ma pensée, le fait que nous prenons note. Je veux juste dire, nous voulons montrer que le chemin que nous prenons, nous ne prenons pas pour le profit personnel, nous prenons pour nous pierre pam. Si tout le monde a fait le même genre, parce que, regardez bien pour nous passons tout le temps, et nous toujours dit depuis 86, nous fait le même jouet là, et personne ne parle de chita un jour, nous dit, bon, ok. Est-ce que si nous t'en mettons ensemble, nous ne sommes pas capables de faire notre projet, élaborer notre stratégie. Le jour d'hier, moi-même, je fais avec tout ça, ça comporte. Victime de ça que nous faisons comme position, que décision que nous prenons là, pas de problème. Même après de tout le monde. Gardez bien, ni ça qui apprécie le choix, ni ça qui. C'est pas parce que je vais apprécier l'ONDEL. Faut d'accord que, au moins qu'il y a affection pour vous, on joue le fond de la vie, pas comprendre de réagir, il est capable de réagir. Moi, je voulais dire ça. Seulement, pas de regarder. Gardez bien, est-ce que son choix qui fait parce que mon ambition personnelle d'elle, son droit bien de la guerre tout. Mais son droit tout pour me garder, me dit, est-ce que l'État n'a quitté l'espace à vide pour que monde que n'a reproché tout le temps, qui a bien des attitudes ou des comportements, parfois nous a dit des viens, parfois nous a dit qu'il est attaché à un espace culturel, nous a dit, et l'espace culturel, parce que nous dit que, sauf les corruptions, sont culture politique que le venir. Est-ce qu'on n'a pas quitté l'espace là tout, nous ne savons seulement, et puis nous-mêmes, nous ne pas rentrer là-dedans. Moi-même, je rentre là-dedans, et je me dis que, je ne pas rentrer, parce que moi, je regardé en pile fois, dans la compréhension, c'est que nous prenons l'État pour son association, ou association privée. Donc, les pour nous qui n'ont peut-être l'IA, ou bien pour les deux politiques. Moi, quand je vous dis, la question, c'est qui ça m'a tapoté. Parce que vous avez fait la loi là, toute bouillie, toute basse bouillie, c'est une question de corruption. Justement, maître, qui ça fait croire que nous avons un résultat? Qui ça fait croire que le système dans lequel nous avons évolué pour permettre un résultat et que pour nous, nous avons gagné sympathie pour vous, en quelque sorte, parce que c'est comme ça nous expliquer. Si nous avons critiqué, c'est parce que vous avez un qui aime bien, châtie bien. Donc, qui ça fait croire qu'on a un moyen politique nécessaire à bon fonctionnement URSS pour que pour permettre par exemple on dit Gassan marqué passager et sorti bien ça permet de faire ça faut croire que quand on parle réussir hein, le prédécesseur n'a pas de réussi là dans lui-même même Jean-Marie Wendel première année on prend par exemple président Omo et il y a 5 problèmes corruption dans le mot je ne veux dire m'a metté le devant responsabilité les mêmes. Parce que bon, donc volonté politique ça, je crois que je suis obligé de dégager. C'est une raison qui fait que je crois que j'ai une possibilité de réussir, mais besoin de bagaille. Besoin de volonté ça la canne tout. Besoin de. Mon Dieu, tu ne peux pas démissionner. Mais non, non. Ou tu ne peux pas démissionner. Sous pas je ne sors oublier, et pour voir devant un mur, ou pas qu'à avancer, ou pas qu'à parler. Non, devant Moulin, on est devant Moulin, le président n'a pas mettre devant Moulin. Le gouvernement n'a pas mettre devant Moulin. Moi qui a mettre devant Moulin, c'est moi qui a gardé avec le bio. C'est souvent compté. C'est eux-mêmes qui d'accord avec les corruptions dans le pays. C'est eux-mêmes qui voulaient changer les bagailles tout. C'est eux-mêmes qui prennent la rue pour changer les bagailles. Je vous dis, si vous passez le temps, vous avez critiqué moi-même par exemple, et puis vous n'avez pas d'appui que vous avez besoin, probablement vous avez échoué. Mais si vous avez convaincu, avec volonté, vous êtes capable de réussir. Parce que vous n'avez pas dit réussir, éliminer la corruption. D'ailleurs, on veut. Dieu, ça y est. Mais nous avons au moins participé à réduire le serait-ce qu'à 50-60% pendant la première année que nous l'avons donné. Mais ça veut dire que maître prédécesseur n'a pas gagné même volonté en tout? Il y a une fragilité dans la question ça. Ce n'est pas que pas de volonté. Ce n'est pas que pas de volonté. Peut-être que nous bénéficions de, on va dire, d'un temps politique qui est meilleur par rapport à eux-mêmes. Je vais vous expliquer comment. Prédécesseur, dans le moment que vous êtes dans la fonction ça, vous avez des forces politiques assez puissantes. Ok, qui a tiré les ficelles peut-être. Et pas de gagner. D'ailleurs, société là qui était préoccupée autant par question corruption dans le pays, il n'y a pas très bien compte. Qui dégâts que corruption a été fait sous vie, il n'y a pas très bien compte. Que corruption a empêché que le pays a développé. Je vous dis, regardez la rue, regardez ça qui se passe là pendant 2 ans, particulièrement 3 mois qui se passe là, Mounio, il dit, c'est assez. Et c'est peut-être tout politique ça qui me bénéficie. De lui-même, qui va permettre que mon meilleur projet qui est joué et qui garde mon force tout parce que bon et une justification en quelque sorte. Social. C'est mon signal que le président a besoin de voir lorsqu'il fait appel à Claudie Gassan pour une dirigeance de l'OCC. Pour l'image parle tout, l'image administration que vous avez améliorée en quelque sorte. Je ne vais pas analyser la question dans ce sens. Je ne vais pas plus garder l'autre genre.
Que si en Haïti, nous plus nommer amis. C'est 10 amis à mettre dans la poste. C'est 10 amis à mettre. Il n'y a pas besoin de 10 amis incapables, s'il n'est pas capable. Depuis le cas font travail pour eux. Moi, c'est plus un exemple. Je pense que le président dit, bon, je ne vais pas mes amis là. Je ne vais pas amis président. Et tout le monde connaît mon baron Biamundo. Je ne vais pas amis personne. Claudie Garçon, capable toujours, ou clair, tout le monde connaît mon sabon de baron Biamundo. Je vais vous donner un café. Bien avant un café. Mais nous sommes café, nous avons café là chaque matin, nous disons que c'est nous bien, ou ses amis, nous avons café là, quand nous avons café avant, sur l'activité sociale, il n'y a pas de problème. Nous avons socialisé avant. Mais si vous profitez de nous, nous avons café là, et pour aller faire un bagage sous côté. Mais nous avons bien avant là-dedans, nous ne pouvons pas attendre ça. Et ce n'est pas très tôt, c'est peut-être ça. Non, pas très peut-être ça. Tout le monde connaît ça, pas très peut-être ça. Il a dit que nous avons football avant, c'est un football amien. Et un football amien. Mais nous pas bien ça. Il y a des exemples que nous avons pris, mais malheureusement, nous n'avons pas pris. Actuellement, peut-être que je vais vivre des situations comme ça. Tout le monde pense que, eh bien, garçon, c'est un minou, etc. Et puis, regardez, les bibas là, à vivre dans le monde. Donc, on prend distance où? Pas de distance, mais. Vous démarquez le monde? Non, pas démarquez le monde, toujours bien avant. Sauf que, l'autre jour, vous mettez l'autre jour, je vous dis à madame, l'autre jour, des professionnels. Est-ce que ça veut dire ça exemple que Bailan est égal pour même pour le président qui connaît que les avant ou quand tu as une sympathie ou tu as une sympathie, je dis à regarder pas amis personne. Vous amis tout le monde ou pas amis personne? Non, Claudie Garçon, amis tout le monde. Mais Claudie Garçon, amis tout le monde, même les Claudie Garçon, tes amis tout le monde, tout le monde connaît Claudie Garçon tout. Si on a bu un café avant, nous avons un café, nous allons dans un restaurant, nous allons faire. Mais qu'on a soit fait par la route sous côté. Donc on a blanchiment d'argent, on a question de corruption, on a un petit bagage, on a bagage. Bon, est-ce que vous prenez mon balai ça? On parle de l'avant. Donc si on fait parce que vous voulez un problème avec la loi. Est-ce que le droit de brasser, c'est sérieux, je dis en Haïti? Tout va brasser, kidnapping, drogue, etc. Tout va brasser, parce que qui ça casse? Nous, ça répond de vos conseils comme des affaires sociaux, pas. Il y a toujours là. Nous, c'est qui publicité fait autour de nous et à qui lutte qu'il a fait. C'est comme si vous aujourd'hui là, bon, l'autre version de Claudie Garçon, le commissaire gouvernement, c'est comme si c'est même mon nom, moi, là. De plus. Je veux dire. De plus, c'est comme ça que vous ok, très bien. Il y a un mot qui dit tout que. C'est pas vrai comme garde gouvernement, ça va me poser une question. Non, mais il va poser. Il y a un mot qui dit international a joué un rôle. Et, ou encore, je partitionne dans la nomination, non. Oui ou non. Vrai ou faux. Bon. Question ça, je me dis sincèrement. On va pas croire que. Non, on ne va répondre de façon pas. Parce que c'est pas ce que vous dites. Ça veut dire qu'on n'a pas de bonne vérité. Non, c'est pas ce que vous dites. Vous dites qu'on n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve. C'est une preuve. On va vous mettre Garçon et moi apprendre que c'est la communauté internationale qui m'a dit président pour nommer. Qui répond sur ça? Même pas qu'à spéculer. Et puis ce serait pas responsable de ma part d'affirmer quelque chose que je ne peux pas prouver. Ok. On a les mêmes. Donc je vais répondre dans le même sens. Très bien. Ok. Est-ce que communauté internationale joue un rôle dans la nomination comme DG du ULCC? Ok. Je ne sais pas si la communauté internationale joue un rôle dans la désignation comme directeur du ULCC. Mais je suis capable de dire que la communauté internationale a fait des exigences. Des exigences à ce que le gouvernement, l'État haïtien, réponde à demandes qui n'ont pas eu en termes de lutte contre la corruption. Parce que la corruption, il empêche le pays à développer. Il empêche eux-mêmes de prospérer, de faire progrès. Donc la corruption, c'est le fléau qui a gangréné la société. Donc gagner une demande. Donc ça veut dire que la communauté internationale là, fait pour Digassan confiance. Non, je ne sais pas. Je ne dis ça. Je connais simplement, et ce n'est pas sous Claude Digassan, c'est tout le monde est capable de parler de ça, de témoigner de ça, la communauté internationale là, il voulait à ce que la question de corruption. L'État ici prend des dispositions, par exemple, la convention pour mettre la convention en application, la convention de corruption. Et faire des exigences à ce que y ait des gens qui, des gens qui estiment, ou la même douleur, qui sont crédibles, pour qu'ils aient mis notre fonction ça, pour permettre qu'ils soient capables de faire de travail normalement. Maintenant, je regarde que, il y a un peu de spéculation. Il y a un peu de penser que, fonction moun, par exemple, qui dit que, mettez un tel là. Même beaucoup de gens chita, et même si pour tout le monde, beaucoup de gens chita avec une dans la communauté internationale là, qui dit, nous dit, mon cher, c'est où nous voulons. Ok, très bien, merci, maître. Est-ce que, ça fait deux semaines? Deux semaines. Ok. De vous arriver, on commence à réfléchir sur qui dossier, qui dossier on des employés pour tirer dans le tiroir là qui dossier important, je veux dire. Ma fonction est comme ça. Ma fonction est comme ça, et c'est une bagarre qui fait forcément. C'est-à-dire que si on a tel dossier,
ou même nous qui venons tout, peut-être comme ministre, comme président, comme premier ministre, pour dire nous faisons tel dossier, nous ne pas fonctionner en termes de valider dossier. Et nous regardons qui dossier, qui prioritaire. Dossier prioritaire, pas aller au même dossier. Nous gagnons 20 dossiers, nous gagnons 30 dossiers, nous gagnons 60 dossiers, et puis nous choisissons un dossier. Le dossier, ça me choisit, après ça me choisit. Nous choisissons parce que son dossier d'envergure, qui a fait me faire le travail que nous devons faire, dans un laps de temps, et puis pour nous couvrir plus champ. Est-ce que c'est le cas? Actuellement? Mm-hmm. Actuellement, on a réfléchi sur ça, on a travaillé, on a travaillé sur des dossiers qui ont été. Même deux ou trois. L'app difficile pour nous, mais parce qu'il t'a plus bon qu'on suive. Suivre et évolution question évolution, question regarder pour eux et vous regarder ou après qui genre que ça fait déjà pas exact déjà déjà Petro Caribe on travaille sur lui son dossier d'envergure que lui est pour nous on va prendre ça Petro Caribe là attendez bon les chevaux Petro Caribe non t'as les mêmes Petro Caribe là on parle de nous attendez tout le monde a dit Petro Caribe mais nous on ne parle pas de Petro Caribe pour qui ça m'a dit parce que regardez champ de corruption qui entoure ça nous est Petro Caribe là. Les plus larges. Nous même au niveau de l'ISS, si nous disons Petro-Caribe, nous allons limiter seulement à question Venezuela. À question fonds Venezuela. Comprenez bien, oui. Les plus larges que ça. Mais vraiment plus larges. Mm-hmm. Qui ça gagne tout? Sauf les. Comme c'est comme ça tout le monde est sauf les Petro-Caribe. Où est le problème? Où est le problème? Pour qui ça fait l'exemple? Il n'y a pas qu'un exemple. Nous ne pouvons pas qu'être sur le monde. Nous ne pouvons pas qu'être sur fait de corruption. Maintenant, nous ne pouvons pas qu'être sur fait de corruption. Si bien nous qui en bas capoter. Qui a balle force, qui a balle jarret pour poter le pote le plus loin, pour faire monter le plus haut, et même nous cachita sous faire, nous faire l'entrée à tout le monde en bataille. C'est aussi simple. Dès qu'il y a des textes sur nous, et puis nous avons un camp de corruption qui a poté le monter, qui a balle jarret, quel que soit le côté de nous, nous avons mis des textes à chita sous tête, sous tête corruption, ou même camp balle là, la montre avant. Donc, nous ne pas sur nous, nous faire. Donc, il n'est pas exempté, on travaille sur lui. Bon, moi j'ai un peu de temps de vous tout le monde entendre, tout le monde comprendre ça, dire. Nous pas besoin de tout à l'heure, nous sommes café. Nous ne sommes pas, ou pas fin d'être. Allez, nous parlons du football. Bon, maintenant, si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas là, ou pas très bien, vous n'êtes pas là. C'est parce qu'on ne connaît pas là. Quand on a vu les gens, c'est ma première, vous voulez que nous n'en complicité à vous. Pour ça. Après, tout le monde a dossier encore qui est. Non, je ne dis pas tout le monde. Je dis que depuis ce dossier corruption, je n'ai pas compris tout le monde. Il n'est pas obligé un dossier qu'il a déjà. Il a un dossier. Qui fait venir, même qu'à un dossier que nous dépistons. Parce qu'on peut nous dire que ne sont pas compétents pour tel domaine. Il n'y a pas qu'à, comme dit le président CC, il n'y a pas qu'à entrer dans la question ça. Nous entrer dans toute question. D'ailleurs, depuis moi, quand l'État, nous entrer là-dedans. Nous avons un rôle de dépistage. Oh non, mais comment faire qu'on ait une corruption? Bah, on a une corruption, mais je vais enquêter sur. Mal détecté si pas une corruption. Nous avons même regardé la loi, parce que nous toujours dit que, on est que nous faisons une loi, nous tout faisons pour nous préparer pour nous. Vous avez des lois qui tout, j'ai remonté là, et tout favoriser, faciliter la corruption. Vous en regardez tout. Moi, je journaliste qui dit pour me poser une question sur la police. Est-ce que l'USS a une propre unité police parle pour mener enquête et pour mener enquête à faire intervention? Et là, nous jouons à l'état actuel des choses, pendant qu'on a parlé là, l'USS pas gagné une unité ça là qui est disponible. Mais il n'est pas disponible. Parce que loi, dans la loi, il prévoit que nous gagnons. Et propre agent par nous. Dans combien de temps? Oui, très rapidement. Oui. Très rapidement, nous avons propre agent par nous. Et là, tout dit. Non, est-ce que c'est. T'es une brigade déjà, une brigade d'intervention. Bon, pour exemple, là, nous venons pas joindre, mais le terrain là, parce que le PLCH, nous faisons plus de travail. Oui, mais côté bruit. Nous faisons plus de travail. Non. Oui, baf, tout. En carré, nous avons fort. Mais le PLCH, c'est une propre unité par là. Qui est-ce qui fait? Une propre investigation par là. Qu'est-ce non. Il y a une formation, il y a une formation. On ne dit pas là encore. Là, il y a une question concours. Donc, c'est une nouvelle. Non, pour des raisons, pour ne pas connaître. Pour des raisons, pour l'autre, moi, je vais pas joindre et je dis à l'agence AEO et que je ne vais pas chercher à comprendre pour qui ça. Mais, ULCC, les gagnants, mission sale, capable, ULCC n'a pas besoin de faire appel à d'autres autorités pour les remplir mission de police judiciaire. C'est donc comme là, nous, même avec des CPJ, il a posé des actions. Est-ce que, et bien sur base de la loi de poser, je vais définir 4 lits, l'ULCC pour la loi définir 4 lits, mais on a tout dit, que oui, l'ULCC a bien propre agent, oui. Et bien, oui, actuellement, il n'y a pas un pile, il y a un réduit. Ils disent comme ça? À peu près. À peu près. Ben, on a parlé, par exemple, sur Port-au-Prince. DG, il y a d'autres questions pour vous. Est-ce que, bien que je me pose déjà, est-ce que DG Gasson de l'ULCC entend mener des enquêtes sur. Le Parlement, la présidence, le secteur des affaires,
et certaines personnalités de l'opposition sur lesquelles il y aurait des soupçons de corruption ou encore d'implication dans Petro-Caribé. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, et oui. Non, la première partie question qui a fait distinction en présidence parlementaire, etc. Je ne vais pas faire ça, par exemple, des bails qui étaient un peu déterminés. Mais sur fait question, oui, des faits. Maintenant, si fait ça au même dans le Parlement, mais le Parlement. Si fait au même dans la présidence, mais dans la présidence. Si fait dans la primature, mais dans la primature. Si on mène dans la mairie autour, mais dans la mairie. Si on mène dans le secteur privé, parce que pas oublier que le secteur privé, en quelque sorte, les petits gens exposent tête pour qui ça? En pile transaction qui a fait, il faut avec l'État. Et pour en pile là-dedans, c'est seul l'État qui client. Donc automatiquement, on veut permettre que l'ILCC soit capable à regarder qui ça a fait. Mais n'a pas qu'à être sous fait. Vous pouvez passer par fait. Faire ou mener nous côté, côté mener nous. Si vous faites appel à ces potes, au parlementaire, c'est pas au parlementaire. Il y a ces pas gagné limite, c'est ça. Si c'est pas ton président, c'est pas ton président, c'est pas ton ministre, c'est pas ton ministre. Est-ce que là? Et qu'on y a là, moi, il y a quelqu'un qui dit que moi-même, quoi, pas me faire enquête, c'est une enquête administrative, une enquête purement administrative. Nous disons que non. Ce n'est pas du tout une enquête administrative. Par contre, on a dit que il y a ces capables de faire enquête administrative. Il y a ces capables de déclencher une enquête et puis des faits que vous trouvez, le fait que bon, c'est par rapport à la législation en vigueur et que qui fait que et WhatsApp mal fonctionné, faciliter des choses et puis faire des propositions d'autres textes, c'est capable et améliorer et fonctionner ça. Nous sommes capables de faire des propositions comme ça. Donc, il y a pas une enquête administrative, mais une enquête administrative, l'a dit, sera transmise au ministre des Affaires, au ministre de l'Économie et des Finances. Parce que c'est une enquête administrative, avec toute proposition que possible, des recommandations que nous avons fait. Ça, c'est une. Mais dans un cadre de police judiciaire, on n'a pas parlé de corruption, par exemple. On a parlé de questions de blanchiment, de drogue, etc. Parce qu'on n'a pas qu'à tomber, forfaiture, on a regardé, par exemple, et favoritisme, pas qu'à bagarre, prise illicite d'intérêt, etc. Eh bien, l'ULCC l'a mené en enquête comme ça, son enquête de police judiciaire l'a menée, son investigation de police que l'a menée. Là, texte à clair. Il dit chercher infraction ça, il dit détecter, il dit chercher le monde qui fait loi, et puis déférer à la justice, on a la difficile pour arriver à l'ULCC, pour nous donner des éléments, vas-y, pour nous donner nous, et puis pour nous donner un cher mettre la carreau, ou bien altan nous pour un taxi, altan nous dans le paquet, nous même dans le dossier, parce que nous ne pouvons pas mettre nous perdu, nous nous mettons dans le paquet, j'ai dit nous, ou bien mettre la carreau, nous pouvons dans le paquet, et puis le paquet est derrière nous, non. Vous avez fait des déclarations sur le président Jovenel Moïse en tant qu'inculpé, présumé? Je fais déclaration sur toute sa capacité dans la vie nationale. Le président Jovenel Moïse, tout le monde connaît que gagnait un juge d'instruction qui a été sous lui, qui sortit ordonnancé. Donc, depuis le juge d'instruction, tant de vous, et le commissaire gouvernement lui-même, dans quatre dossiers que vous voyez, non, la donne, automatiquement sont inculpés. Ça, d'aller, même vous. C'est pas comme ça. Vous êtes pas le monde qui dit. Moi, je ne sais pas la question ça. Le président Jovenel Moïse, par exemple, dans le Parlement, pour l'investiture, il dit non. Oui. Ou là, il dit non. Par rapport à dossier ça, qui va vous dépasser? Même nous, aujourd'hui, qui vous retournez comme président, c'est même nous qui avons fait investiture. Vous comprenez bien? C'est même nous qui avons fait investiture. Alors que, qui s'est passé? À telle période donnée, telle déclaration profitable à tel monde. À telle période donnée, maintenant, nous avons telle position. Mais chaque monde qui a une position à n'importe quel moment, l'essentiel, c'est que, est-ce qu'il y a une motivation personnelle? Mais on était dans l'investiture. Il est venu président. Le dossier était devant et le cabinet d'instruction. Le cabinet d'instruction, il est venu à de mon lieu. Maintenant, on regarde plus loin. Si on regarde sur toute action, déclaration, démarche, activité politique qu'on a fait, est-ce qu'on pense, je ne vous dis, hein, nous avons bien une qui cache ça comme l'autre pour l'intérêt du pays? Parce que la différence pour nous faire, là, m'a parlé en privé, ma fond, on s'est privé à Wendel, nous étions en privé qui concernait l'intérêt moral à l'intérêt Wendel. Mais lorsqu'on a parlé au nom de l'État, il y a quelqu'un qui a fait au nom de l'État, nous avons arrivé que nous sommes capables de chita au nom de l'État. Sauf que, il faut toujours que éviter que c'est des intérêts personnels, c'est des démarches qui font, par exemple, pour mettre profiter de l'espace de l'État pour faire notre bagaille. Nous-mêmes, nous sommes sur ça, nous ne pouvons pas regarder ça. Et nous-mêmes, nous avons un seul objectif. Faire en sorte que la décision que nous prenons n'est pas foulée dans la tête. Vous aimez ça? Il y a un auditeur qui a trois questions pour vous. Il y a la dernière, il y a plus de questions, suggestions. Et avec, évidemment, une petite précision sous possibilité ULCC. D'abord, est-ce que ULCC a des moyens contraignants pour faire tout le ministre au cadre de l'État, faire déclaration patrimoniale? Est-ce que il y a un mécanisme qui est mis en place pour évaluer le patrimoine? Allez, trois vite. Ok, on va reprendre ça. On passe à quelqu'un d'autre encore. Tout le monde, ok. Est-ce que il y a un mécanisme qui est mis en place pour évaluer le patrimoine après, il n'est pas en fonction encore pour que s'il était
enrichi de façon drôle. Est-ce que l'ULCC n'a pas mis un short code pour que les gens qui fait quelques dénonciations pour l'ULCC ont des moyens de mener une enquête? Trois ou quatre. Okay. Donc, on va commencer par la dernière. Et il y a une ligne rouge au niveau de l'ULCC, parce que j'aime bien poser sur nous et le travail a été fait. Et il y a une ligne rouge. Est-ce que l'ULCC est efficace ou bien pas efficace? Nous, actuellement, on a étudié la question pour moi, est-ce que l'ULCC est efficace? Et s'il n'est pas efficace, nous allons adopter d'autres stratégies. Une des stratégies que nous allons faire, nous disons que nous allons faire une permanence physique. En plus de l'ULCC, nous avons une permanence physique, 24 heures sur 24, qui est capable de traiter et recevoir plainte ou dénonciation en temps réel. Ok? En temps réel. Mm-hmm. Donc, nous allons faire ça. Pour déclaration de patrimoine, est-ce qu'il y a ces gagnants, force, capacité pour faire que munitions, et la mise aux armes, non? Et Mario, député, sénateur, juge, commissaire gouvernement, toute équipe nous a eu, directeur général, etc., président. Est-ce qu'on a une capacité pour le faire? Nous avons dit que oui. Quand nous avons dit oui, moi-même, je suis avec le premier ministre, je suis avec le premier ministre, je suis avec le président, je dis au clair. Fonctionnaire, nous n'avons pas le faire déclaration de patrimoine. Quand nous n'avons pas le faire, et que nous-mêmes, nous sommes là, on risque pour que l'enquête globale qui démarre dans l'ULCC couvre tout le monde dans l'État qui n'a pas fait. Et même couvrir le monde qui a une responsabilité pour qu'il fasse en sorte de veiller à ce que fonctionnaire lié, c'est le premier monde qui peut respecter la loi, qui peut travailler dans le cadre de la loi. Ma bonne exemple bien simple. L'ULCC, pas moi-même, parce que je ne parle pas de l'autorable, ne parle pas de moi-même. L'ULCC. Non, mais là, on compte ça déjà. Ah, mais, étant donné que c'est un comptable public, il y a une fédération de patrimoine, il n'y a pas de 40 qui ne peuvent les faire. Parce qu'ils décident de ces gros chefs qui mettent. Même si étant donné que c'est un bail, pour faire. Tout le monde. Je suis comptable public d'abord. Parce que comptable public, là. Il y a au courant déjà. Il y a un bail à gagner. Il y a un bail à gagner. On a demandé pour un cas dans la salle. On a mis dans le plus important. Vous commencez à travailler là, monsieur le garçon. Il y a un député qui a commencé à recevoir la main, les sénateurs commencent à recevoir, etc. Comment dire comme ça? Pour faire déclaration patrimoine, il n'y a pas de jeune frère. Et puis, il y a un bail dans le monde. Ça veut dire pareil. Il y a une belle carrière, il y a une belle machine, il y a une belle compte en banque, il y a une belle bagarre, mais il n'y a pas de dire nous qui ça a gagné. Donc, c'est la transparence. Où est-ce que vous pouvez non, texte arrive qui dit que, mais qui ça pour faire, mais comme c'est nous-mêmes qui là, qui pour appliquer. Nous faisons l'appel là. Nous faisons un appel là. Par exemple, contact public, il y a peut-être là. Il y a juste le 31 décembre pour faire. Sinon. Oh, sinon, nous avons voté pour blanchir sur la corruption. C'est aussi simple que ça. Laisse ça, on va faire travail ça dans toutes les régions métropolitaines. Non, le pays là. Et puis même le premier ministre, tout le monde te dit, tout le premier ministre, le premier ministre est responsable. Ministre qui sous-tête, tu vois, ministre économie et finances qui me dit sous-tête, non. C'est le premier ministre qui est responsable. Tenez, on dit, comment vous voulez dire que, ou après mes prédicats, directeur ULCC, et puis c'est sous-blagué. C'est-à-dire on est dans c'est-à-dire là, on va sous-blagué avant. C'est-à-dire qu'on va pas qu'il fonctionner là où, et puis il a décidé de faire des garçons de bâtiment, vous tolérez. Mais c'est le ministre qui sous-tête, tu vois, qui est premier fautif. Eh bien, nous mais qui sont au café au ministre? Non, pas qui sont au café au ministre, nous ne parlons pas des ministres, nous ne parlons pas des ministres. Nous ne parlons pas de la loi et des faits. La loi n'a pas de limite, non, la ULCC. La loi est sous corruption. Il n'a pas de limite, il va dire côté mon. Donc, cela veut dire que je dis. Il n'a pas de limite. Pour première déclaration, déclaration publique que vous dites. Oui, jusqu'au 31 décembre, comptable public, parce qu'il y a des hypothèques légales sous bien. Qui garantit l'État là? Mais qui a l'État qui garantit ça là? Et puis, il y a beaucoup de choses qui payent. Maintenant, on y a son belle position, position prestigieuse. Mais à qui fait que on voulait prendre job là, mais on pas voulait remplir conditions pour prendre job là. D'abord, pas de deux dans le côté là, il a dit combien de temps comme contrat public, et puis il a touché normalement. Même si, par exemple, il y a une formation de question de l'éclat, même on l'a même. Parce que pour qui ça? Là, on a un cas dans le salaire, on a un peu. C'est toujours un cas dans le salaire. Là, on a un cas dans le salaire, il y a un peu. Parce que si la première de notre activité est plus importante. Donc, il faut que l'État connaît, il n'est pas capable lui-même, pendant que la boule est contre corruption, et puis il y a des fonctionnaires qui assujettis à déclaration de patrimoine, qui permettent que, pour prévenir, par exemple, blanchiment,
Et puis, on y a là pour dire que le monde a toujours. Est-ce qu'on parle de ce qui foirait rapport avec le conseil de l'entité, tant que le CREF, la Cour supérieure des comptes, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, entre autres. Ouais, well, d'abord. Avec Anoussa. Ouais, well, well, d'abord. Non, parce que, écoutez, sous-sorti pour mes bâtons, non, Jean-Louis Abrivois, j'en dis. Non, mais c'est mes bâtons. Est-ce que, non, est-ce qu'on pas craindre que, il y a des informations, ou pas le ou pas joindre tout, ou pas quoi ça? Si c'est pour l'information, on a le pour ne pas joindre. M'habitue à ça, je ça. Il y a tant qu'on a des informations, je cherche mon bagage. Je dis là, on a dit c'est pas. Non, tout ça. On a dit c'est pas. Non, tout ça. Mais demain, on est. L'autre, je ne t'ai pas parlé. Mais on a dit, nous. C'est pour les besoins de l'enquête. Non, des fois les réserves. Non, on peut vous le dire, des fois les réserves. Mais en réalité, il faut me dire que la corruption, on peut poser transparence là-dedans. Comme pour l'enquête, tu es obligé, pas capable. L'objectif est sur l'obstacle, ça, au moins de l'obstacle. Ceux qui ont des informations ne peuvent pas tout à fait même pour ce que, par exemple, le journaliste qu'on a dénoncé tout, il va avoir accès à toutes sortes d'informations. Qu'on est là. Et un moment bête, autre qu'il y a soit pour des plaintes, si ou j'ai une difficulté ou j'ai un obstacle. Non, après le président, on va aller pour des plaintes, on va pour des plaintes. Non, attendez, bon tout. On va aller, l'on va pas appliquer, bon tout. L'on va pas appliquer, l'on va pas obliger la bataille. On va obliger les gens, non. Mais par exemple, bon tout, on s'en fonctionne l'État ou le supérieur hiérarchique. Et bien, sous problème, quand on va dire c'est pas supérieur hiérarchique, là, on me dit, on ne pas la voir. Mais ou même tout le monde a sous-décidé tout, pas d'accord tout. Moi, je ça. Non, juste garde ça à dit. Parce que paquet est toujours étape. Paquet est toujours étape, la justice est étape. Et puis, nous, juste faire le CA, nous documenter, et puis nous voir la justice. En parlant de la justice, qui ont pour vos rapports au palier avec les juges, il y en a qui sont réputés corrompus. On dit, ouais, peut-être que le jour, je me dis qu'on est corrompu. Je dis, pas quand même, qui me dit corrompu. Ok. Mais explique-moi, on va dire si vous voulez. Nous, on a supposé. Attendez, nous sommes capables de supposer par rapport à l'information que nous avons. Nous sommes capables de garder par rapport à l'information. Nous sommes supposés, mais nous sommes capables de par rapport à l'information que nous avons. Et puis, nous disons ça. Je vous le dis à moi-même, comme dit Pierre, c'est pas qu'à dire tel corrompu. Par contre, si nous sommes au courant d'un fait de corruption, sous quelque soit mon nom, nous venons dire ça, nous dénoncer, eh bien, ou bien, si nous sommes victimes de côté plainte, n'a pas qu'à des soucis, sauf que nous l'avons dit, et nous l'avons dit encore. Quel que soit mon nom, nous-mêmes, nous avons mené enquête nous sous lui. Parce que nous souffert et depuis faire arriver sur nous arriver. Moi, je vais m'aller rapide. Qui ça nous prévoit comme stratégie? Parce que nous avons mené une lutte corruption pendant toute une décennie. Il y a une disposition stratégique sur le patron. Il n'y a pas de mener à quel côté. Moi, bon exemple. C'est vrai que nous sommes capables de toute bonne volonté que nous avons. Mais si au niveau du parquet, nous n'avons pas gagné le pôle anticorruption. Si au niveau de l'instruction, nous n'avons pas gagné le pôle anticorruption. Si au niveau du siège, nous n'avons pas le pôle anticorruption. Ainsi de suite, coup d'appel, cassation, coup d'appel, et bien, ils appellent passer. Tout dossier, mal fait, et bien, ils font comme d'habitude, et puis, vous voyez, et on appelle. Parlons de dossier judiciaire, Xavier, qui j'en ai. Attendez, vous avez fait terminer ça. Parce que nous n'avons pas fini. Non, on n'a pas fini, ça met tout le temps qu'à faire ça, pour la population. Nous faisons déjà le coup là, parce qu'on est en dehors de l'heure. On avance avec. Pour finir, donc, il y a une stratégie qu'on a développée, en synergie avec les parquets de la République, avec les cabinets d'instruction. Pour que nous gagnions un circuit anticorruption. C'est-à-dire que la nouvelle dossier, nous, la joindre des substituts spécialisés, et ces dossiers, ça va seulement pour l'été. Au niveau des instructions aussi, là, nous, on peut parler par exemple avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, pour nous garder, avec le ministère de la Justice, tout. Même des huissiers, ils ne sont pas capables de faire des huissiers, donc il y a des huissiers spécialisés, tout, ma question. Des greffiers spécialisés. C'est vraiment un pôle anticorruption, un circuit anticorruption qu'on a créé, c'est-à-dire sur les chaînes pénales anticorruption. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a travaillé, bah, nous avons une bonne information, on a dit. Et on va mettre le travail là, son petit caille, on est un petit caille de l'aide. Non, bon ça, on va pas quitter, on va pas travailler dans le caille de l'aide. Et puis, on va dire changer ça. Oui, nous avons travaillé sur ça, oui. Aux jeunes locales, les jeunes locales, on a travaillé sur ça. Et puis, on a terrain tout, en même temps, on a travaillé sur le terrain tout, que probablement, on va rentrer sous peu. Pour l'Italie? Et puis, il y a un plan, il y a le CCP, une joie, une télé-session de vieux, avec des hommes de vision, tu es en métier, et derrière là. Deux questions nettes. Pour répondre à Xavier, moi, je dis que c'est les Indou, est-ce que le CCP a un moyen pour arrêter un parlementaire? Il y a un moyen pour arrêter n'importe qui. Parlementaire? N'importe qui. Peut-être que nous ne sommes pas venus au monde. Nous sommes venus au monde, nous n'avons pas connu le balade. Non, mais ce n'est pas nous. N'importe qui, nous n'attendons, il y a des attendons, et nous attendons, nous jouons, nous attendons. Si vous nous déférez, nous déférez, on va tout essayer. Et si parlementaire a dit qu'il n'est pas venu à l'immunité? Peut-il facile comme ça? Vous allez inviter les plaintes du Conseil qui est bon pour ce qui est. Vous allez m'inviter le balade, vous allez m'inviter le balade. Mais non, si vous m'invitez le balade, on va faire chercher. Oh, on va appeler l'immunité avant. Bon, je ne sais pas si je comprends, 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 je ne sais pas si je com
Parce que si c'était le ministre, vous avez appelé, vous avez seulement pour déclaration, action, activité que le parlementaire a mené dans le cadre de travail, dans ce qui est lié à la fonction du parlementaire. Mais ici, le parlementaire tue un monde, immunité, le violon, monde, immunité, le voleur, immunité, et la corruption, immunité. Donc, tout le balai net qui est dit, c'est pour aller devant monsieur. Ça, c'est une forme d'impunité, que normalement, qui est très grave. Donc, on a ce parlementaire. Moi, ça me dit là, c'est vrai. C'est pour tout le balai, vous êtes obligé de descendre. Dès que vous avez besoin d'arrêter, pour quel que soit là, il faut aller, alors que. L'immunité, ça que je dis qu'il y a bien, parce que pas vrai, qu'il y a un texte de loi, jusqu'à présent, au Canada, qui réglemente les questions, ça, non? Mais. Si vous venez partir ça dans la vidéo, c'est que vous avez 40 personnes qui parlent de $25 sur la chaîne. Vous pouvez voir quoi dans le numéro WhatsApp que vous regardez dans l'écran. ZN5034. ZN5034. Voyez le numéro ça. Attention, pas commenter. Si vous commentez, vous avez perdu. Attention, ça, c'est le dernier code là. Mais même si vous avez demandé de malgré le schéma ça avec quel que soit mon nom, et que vous ne parlez pas de parlementaire, vous entendez, vous pouvez parler de vous, etc. Vous voulez parler de monde, vous voulez parler pour tout le monde. Parce que nous pas seulement autorité, en cas de Pokémon, depuis que vous avez fait arriver, nous n'avons pas juste fait dossier, sous disponible. Parce que il y a un problème, c'est parce que il y a une raison que le dossier ne se pas marché trop vite. C'est parce que il y a pas mettre nous tout disponible à tout dossier pour commissaire. Et si vous faites justement m'apprendre tout que ça doit arrêter nous là. M'apprendre tout que il y a dossier sur dans c'est dans un paquet et puis là il y a des frises. Ça va calmer vous. Tout va calmer. Tout va calmer. Parce que le commissaire gouvernement. Tout va calmer mais on va être commissaire gouvernement tout. Si elle c'est à regarder. Il y a que dossier à venir. Et puis c'est quelque avantage que gagne. Quel intérêt qu'il y a pour qu'il classe les dossiers au côté. Il y a ceci qui a quand même des informations sur les raisons, motivation qu'il y a, vous savez. Parce que juge, par exemple, vous avez deux juges tout à l'heure. Si un juge campé, et puis vous entrez dans le schéma corruption et tout. Il y a ceci qu'on a fait juge. Non, il y a ceci qu'on a fait acte de corruption. Il n'y a pas de statut, mais qu'on a fait des actes de corruption. La peine d'enquête sur acte de corruption. Maintenant, depuis que nous avons tout disponible, il y a une possibilité si toutes les conditions sont réunies. Parce que vous demandez, et si tout le monde n'est pas il a changé le nom de la chemise. Il a changé l'adresse tout le même genre. C'est plus difficile pour nous. Mais si nous avons tout disponible, dossier à tout disponible, nous devons déférer tout ensemble à commissaire de autant des dossiers, autant des judiciaires que vous avez déjà. Ou bien privé pour tant d'elle. Alors bien, vas-y, une commission d'enquête qui a travaillé sur la question ça. Effectivement, tant d'elle, qui continue à travailler, qui t'a suivi dans le jour à 2 heures. À 1 heure, à 2 heures, oui, parce que nous avons bien. Mais ça, c'est la commission d'enquête là. Si vous avez besoin, par exemple, plus d'informations, on est capable toujours aller à l'ULCC, garder quoi si vous voulez bonnes informations. Parce que moi-même, personnellement, et c'est un dossier que moi-même, je vais opiner sur lui. Et dans l'ULCC, vous dites que vous avez un équipe. Pour qui est-ce que vous pouvez? Parce qu'il y a du garçon dans la boîte. Non, pas de bagarre comme ça. Moi, nous avons une raison de faire le plus de peur parce que c'est. Imaginez que c'est une boîte qui a 144 personnes. Le matin, il y a un bagarre comme si nous avons une bagarre dans la cour. Je pense que tout le monde a pris ça. Il fait ça. 50 monde. 144 monde. Donc. Mais si vous voulez que 54 monde, vous l'appelez. Pourquoi? Parce que moi, je dis pour tout le monde, l'ULCC pas de fonction de n'importe qui boîte l'État. C'est pour un côté, bon exemple, moi, je suis directeur général là. Tout le monde a fait un petit famille, mais il faut prendre tel mot, il faut prendre tel mot, il faut prendre tel mot, il faut prendre tel mot. Donc, nous ne comprenons que. Nous n'avons pas de corruption, mais nous n'avons pas de corruption. Nous ne comprenons pas. Il y a facilité, parce que je ne comprends pas pour qui ça. Qui compte dans le comprends bien, mais est-ce que nous besoin de nous? Mais m'a tout dit pour le public, oui, il y a ces besoins de nous. Vous avez dit que ça peut aller là? Ça peut aller? Non, nous ne pouvons pas nous aller. Nous avons une analogie, nous aller. Nous avons une analogie, nous avons dit pour quel que soit le motif, quel que soit le monde qui te met là, eh bien, au moins le minimum, il faut raison. Ne serait-ce que le matin. Comment est-ce que vous allez déjà dans le dossier? Nous ne pouvons pas nous aller, nous ne pouvons pas nous aller. Maître, quel garçon, vraiment t'es content de recevoir maintenant. Oh, hein? Oui. Quand ça même, t'es vraiment content de recevoir et puis notre casse rendez-vous pour l'autre. Le jour dit déjà, on dit que on est pour faire le tour des médias et tout le monde qui est sollicité est capable de poser des questions que nous-mêmes pas posé, qui sont pas arrivés poser, il faut comprendre que nous avons un programme qui nous suit. D'ailleurs,
déjà aller au-delà de l'heure, mais franchement, des contents, des privilèges, ça, pour recevoir et avant tout le monde, merci infiniment. Et c'est au nom de tout le directeur Métropole, au nom de toute l'équipe Métropole, la communication. Oui, mais Wendel, et avant de merci, moi-même, parce que je vais me demander à mes offres. Oui, non, là, c'est parce que j'aime de la guerre, de la guerre. Je vais me dire rapidement, nous avons bonne nouvelle, nous gagnons. Et nous n'avons pas eu de question de travail. Si on met Pétrogal comme ça, c'est pour le bien du public. L'LCC est pour organiser un concours pour des investigateurs que nous allons prendre. Et service juridique, par exemple, nous allons organiser un concours pour eux, bien, au niveau audit tout. Donc probablement, l'LCC nous a dit à chercher près de 40 000, mais pas même comme des personnels de soutien. C'est des techniciens que nous avons cherché avec formation adéquate pour que nous puissions amplifier force l'LCC. Deuxième barrière que nous avons dit tout, et tout le monde qui a parlé de corruption, d'un coup parlementaire, d'un pile parlementaire qui n'a pas fait déclaration de patrimoine, il a fait pour nous. Il a fait pour nous. Parce que vous parlez même de questions électorales. Même de questions électorales, vous n'avez pas fait déclaration de patrimoine. Nous avons dit que vous n'êtes pas capable à l'esprit. Nous n'avons pas une disposition pour ça. Donc, tout parlementaire, vous n'avez pas fait. Tout ministre qui n'a pas fait, vous n'avez pas fait. Même le directeur général qui n'a pas fait, vous n'avez pas fait. Mais, Marissa Comune, vous n'avez pas fait. Juge. Tout juge qui n'a pas fait, on n'a pas la CSPJ là, il faut faire offert pour nous. Autrement, il faut des dispositions pour que, même, il y a des catégories parce que faut que nous travaillions pour santé l'État. Ok? Mais, nous voulons encore, quand tu as public, 31 décembre, c'est le dernier délai, nous-mêmes, pour nous bailler autrement qu'on y a, nous allons obliger de passer en vitesse supérieure. Je suis venu à suivre la monde qui est mes pays, et qui connaît son audience. Il y a prié pour vous, M. Gasson. Bon, si on a une en face loi anti-corruption, ça c'est mon nom qu'on est, c'est pour tout le monde, qui parle, bon, tout le monde fini. Tout le monde n'est pas venu rentrer, bon, tout le monde loi. Non, moi j'ai réagi là. Oui, mais tout le monde parle de la loi, c'est pas vrai. Mon job dit là. Mais c'est là, ça vous dit. Il y a aussi une autorité dans le cas là, on est content, il sort du matin là. Ça me dit, nous avons parlé. Merci beaucoup, à bientôt.